Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties livresques pour le mois de mars qui m'intéressent. Du coup, je vous ai noté quand même pas mal de sorties grand format et encore plus de sorties poche. Du coup, on va attaquer sans plus tarder. Alors, je suis désolée si je regarde sur le côté, c'est juste parce que j'ai mon ordinateur avec exactement les dates de sortie. Et on va commencer donc par les grands formats et en date du 1er mars. Il y a la sortie du nouveau livre de Tatiana Drosnay, donc Sentinelle de la pluie chez Héloïse d'Ormesson, qui traite en fait d'une montée des eaux à Paris, si je dis pas de bêtises, en sachant que l'auteur l'a écrit avant la grande crue qui a eu lieu l'année dernière. Donc voilà. Ensuite, nous avons Tatiana Drosnay, c'est une auteure que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je me le suis notée. Ensuite, nous avons la sortie d'un nouveau livre d'un auteur très apprécié, mais pour ma part, j'ai jamais lu, à savoir Joël Dicker. Il sort son nouveau livre, donc La disparition de Stéphanie Meyer. Je ne sais pas comment on prononce ça. Donc, ça sort en date du 7 et donc aux éditions de Fallois, comme pour ses romans précédents. Ensuite, nous avons en date du 7 également la sortie de Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain dans la collection EH. Donc de Charles Quint, donc c'est une romance contemporaine. Sophie Jomain avait déjà fait de la romance contemporaine avec ses romans Chère jeune femme avisée et le second, je sais plus comment il s'appelle, d'un commun accord. Et du coup voilà, elle récidive ici. Je suis très curieuse de le lire. Je l'ai reçu en format numérique, du coup vous en entendrez parler très bientôt. Ensuite, toujours en date du 7, une sortie que j'attends beaucoup, il s'agit de la sortie de La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Cross qui va sortir chez Bragelonne. La couverture ne vous laisse sûrement pas indifférent et vous l'avez sûrement déjà vu passer puisqu'il s'agit donc de la version livre en fait du film The Shape of Water ou La forme de l'eau qui est sorti en février et que pour ma part j'ai vraiment adoré. Du coup voilà, vu que j'ai beaucoup aimé le livre, je suis assez curieuse de découvrir le livre. Je me demande s'il y a quand même des différences ou si c'est très fidèle. Enfin bref, voilà. Je le lirai probablement, je sais pas si je l'achèterai parce que le grand format chez Bragelonne ça coûte super cher, mais je le lirai très très certainement. Ensuite, nous avons la sortie toujours le 7. Chez J.C. Lattès, la sortie de Indéterminé de Samantha Bailey, du coup le troisième et dernier tome de sa série donc, qui s'appelle Les Stagiaires pour le tome 1 et A Durée Déterminée pour le tome 2, et du coup c'est la fin de cette série. C'est une série que j'ai pas encore commencé mais j'ai Les Stagiaires dans ma palle et je suis curieuse de la découvrir. Et ensuite on passe aux deux sorties du 8, donc tout d'abord chez Michel Lafon on a la ressortie de The Vanishing Girl, le tome 1 de Laura Thalassa, qui va donc ressortir chez Michel Lafon. Il était déjà sorti chez Amazon Crossing il y a de ça un an, et je l'avais lu à cette occasion là, du coup c'est un roman, enfin c'est une dystopie qui m'avait vraiment bien plu, j'ai trouvé ça plutôt sympa, le tome 2 est déjà sorti chez Amazon Crossing, et du coup voilà, ils sont réédités en maison d'édition plus classique. Et donc pour le dernier livre que j'ai noté pour les grands formats, et c'est à nouveau en date du 8, il s'agit donc du tome 2 de La part des ombres de Gabriel Katz, publié chez Scrinéo. Il était censé sortir en fin février et il a été décalé à début mars par la maison d'édition. Donc voilà, Gabriel Katz, j'aime beaucoup, c'est de la fantasy adulte, plutôt assez sanglante en général. Et voilà, il me manque un livre à lire avant de pouvoir attaquer La part des ombres, vu qu'il y a quand même une sorte de suite chronologique. Mais ça arrive très bientôt. Et ensuite, on va passer aux sorties poche. Et la première sortie poche, c'est une sortie qui était très très attendue, puisqu'il s'agit de la sortie du tome 2 de La passe miroir de Christelle Dabos, donc Les disparus du clair de lune, qui va sortir en poche. Comme pour le tome 1, il sort sous deux éditions différentes, à savoir celle-ci chez Folio en adulte et la version avec la couverture jaune chez Gallimard au Pôle Fiction, donc les livres avec la tranche jaune. Voilà. Donc du coup, il sort dans les deux éditions comme pour le premier. Ensuite, une autre sortie poche dont je suis très très contente. Pour ma part, j'ai déjà en grand format, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Il s'agit de Véridienne de Chloé Chevalier qui sort donc chez Helios. Il était sorti initialement au Mouton Électrique. Et du coup, c'est le premier tome d'un roman de fantasy que j'ai beaucoup beaucoup aimé. On découvre en fait un monde particulier qui se passe dans... Le premier tome se passe dans un château et on suit... trois servantes qui sont, enfin trois suivantes qui sont au service de deux princesses,
Et du coup, voilà, c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le tome 1. J'ai le tome 2 dans ma palle, il faut que je le lise. Et le tome 3 est aussi sorti. Et du coup, voilà, ça sort en poche chez Helios. Donc voilà, si vous aimez la fantasy, je vous recommande d'essayer Viridienne. Ensuite, nous avons encore en date du 1er, nous avons la sortie du Musée des Merveilles de Brian Selznick, qui ressort avec la même couverture que le grand format chez Bayard au livre de poche jeunesse. Celui-ci me tentait vraiment bien, il y a un film qui est sorti en même temps et voilà, j'avais un peu feuilleté, ça me tentait bien. Il y a deux histoires en parallèle si je dis pas de bêtises, une plutôt à l'époque actuelle et une qui se passe dans le passé, et un des deux personnages qu'on suit est muet, du coup toute son histoire est racontée seulement à partir d'images, si j'ai bien compris. Enfin voilà, du coup ça me tente vraiment bien et je suis curieuse de le découvrir. Ensuite, nous avons également la sortie le 1er, c'est la dernière sortie le 1er, au livre de poche, la sortie de King's Cage de Victoria Aveyard. Comme pour la passe miroir, il sort sous deux formats à la fois, à savoir celui-ci au livre de poche adulte et la version qui reprend les couvertures de MSK au livre de poche jeunesse. Donc comme pour les deux tomes précédents, j'ai le tome 1 dans ma palle que j'ai toujours pas lu, mais la série me tente toujours, donc bon. Ensuite, on continue au livre de poche, mais on passe au 7. On a la sortie tout d'abord du tome 3 de la série Les Ferrailleurs de Édouard Carret qui s'appelle La Ville. J'ai lu le tome 1 cet automne et j'avais vraiment bien apprécié, du coup voilà, je suis contente de savoir que la suite continue de sortir en poche. Et c'est une série assez sombre qui se passe dans l'Angleterre victorienne, mais bon, très sombre, c'était plutôt sympa. Et encore au livre de poche, et toujours le 7, nous avons également la sortie de À durée déterminée de Samantha Bailey, donc le tome 2 de la série dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc voilà, ça reprend la ligne graphique de la couverture du tome 1 des stagiaires. Oui, donc voilà. Ensuite, nous avons la sortie le 8, cette fois-ci chez Folio, d'un livre que j'avais vraiment bien apprécié, à savoir Monsieur Origami de Jean-Marc Ceci. J'aime beaucoup cette couverture assez épurée. C'est un très joli roman contemporain dans lequel on retrouve un homme qui est parti au Japon pour suivre une femme qu'il aimait. Et donc voilà, il y a toute une histoire avec des origamis et tout ça. Enfin, c'était vraiment une très jolie histoire, c'est un roman qui est assez court et je vous recommande la découverte. Et ensuite, nous avons le 15 mars une autre sortie, cette fois-ci chez Helios, d'un roman également que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé, à savoir Apostasie de Vincent Tassi, que vous connaissez peut-être plus sous cette couverture-ci au chat noir. Donc voilà, il ressort en poche. C'est un roman de dark fantasy, c'est très sombre, c'est assez glauque voire même, mais pour ma part j'ai beaucoup aimé, l'écriture est absolument splendide et ça se passe dans une forêt assez mystérieuse. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est vraiment un roman de très très bonne qualité. Et le petit dernier, il s'agit d'une sortie au livre de poche en date du 21, et il s'agit de la sortie de Elle voulait juste marcher tout droit de Sarah Baruch. Bon là c'est la couverture en grand format chez Albin Michel, mais elle est conservée pour la version poche, et c'est un roman que j'ai dans ma palle, qui me tente beaucoup, mais que j'ai pas encore lu, donc voilà, si j'avais su j'aurais attendu et je l'aurais pris en poche, mais tant pis. Sur ce, j'en ai donc fini avec ces sorties, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'il y a des sorties dedans qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas et lesquelles vous tentent. Comme d'habitude, je ne vous ai pas du tout présenté toutes les sorties qui sont faites en mars, puisqu'il y a tous les mois des tonnes et des tonnes de livres qui sortent, mais seulement une sélection de livres qui m'intéressent, même si dans cette sélection je ne les lirai pas tous, mais voilà, il y en a aussi certains que j'ai déjà lus et que je voulais vous recommander. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut !